On parle de dizaines de millisecondes de ping. Quand chez soi, on en a 20, 30, 40, on est content. Et nous, il faut qu'on arrive à descendre en dessous des 10 millisecondes de ping. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est très bas. Et pour ça, on a besoin d'une connexion, d'une connectivité qui soit vraiment maximum au niveau de la qualité de service. On a calculé nos besoins et on s'est rendu compte qu'effectivement, la simple connexion, on va dire, de Monsieur Tout-le-Monde n'était pas suffisante. Donc, on s'est tourné vers des professionnels pour essayer d'obtenir ce qu'exigeait notre cahier des charges, c'est-à-dire une connexion de 10 gigabits par seconde. Donc, ça a été un peu la bagarre pour nous. Hein. On est passé, alors pour la petite histoire, de 600 kilobits seconde à 10 mégabits seconde d'une année sur l'autre. Donc, clairement, on était sur des besoins qui étaient très, très, très importants. Nous, on avait 15 Web TV qui étaient présents pendant la manifestation et qui diffusaient l'ensemble des 15 compétitions en direct. Donc le passionné de League of Legends pouvait suivre la totalité de la compétition pendant les 3 jours sur le web. Ceci dit, 15 Web TV, c'est 15 liens. Chaque Web TV a besoin de son propre lien, de sa propre bande passante. Et donc, il a fallu qu'on mette en place aussi un réseau capable d'absorber cette diffusion de vidéos en ligne, en simultané, pendant 3 jours, en direct pendant 3 jours. C'était un vrai défi pour Covage hein, de participer à la Gamer Assembly comme partenaire technique. Ça mobilisait en particulier les équipes du NOC, hein, donc tout ce qui est supervision du réseau, en charge de la maintenance. Donc 3 jours, 3 nuits, maintenir un lien à 10 gigabits, c'était un vrai défi technique pour nous. Et surtout sur l'aspect événementiel et puis compte tenu des contraintes, le nombre de joueurs derrière attendus, c'était vraiment un vrai défi donc, à mobiliser toute l'entreprise. Sans Internet, il n'y a pas de Gamers Assembly. Et donc, Covage a fait la démarche de sécuriser le site en doublant la connexion. Donc aujourd'hui, sur le parc des expositions, on a 2 adductions, 2 fibres qui arrivent sur le parc des expositions. Et c'était aussi quelque chose d'important pour nous. Et il y a eu cette réactivité finalement de notre partenaire de nous proposer des solutions qui nous permettent de faire face à n'importe quel incident, que ça soit physiquement sur la ligne ou que ça soit d'un point de vue logique, comme on dit, sur la connexion pendant tout le week-end.